Alors, avant de vous présenter le contenu de ces journées, je vais laisser la parole à Monsieur Pinton, qui est le chef de projet de la candidature de l'Université de Lyon à l'IDEX 2. Et dans cette candidature, il y a entre autres un projet autour des humanités numériques. Et j'en profite pour vous remercier d'avoir accepté de venir nous dire quelques mots sur, en guise d'ouverture de ces journées, malgré votre emploi du temps très chargé. Merci. C'est vraiment quelques mots. Je suis vraiment désolé, mais c'est essentiellement pour la bonne cause. Je suis en réunion en face pour décider de l'attribution des budgets du PALS pour l'année qui vient, vu que je ne sais pas si tout le monde est au courant. Alors, PALS, c'est le rattrapex de la dernière fois. Et comme il n'y en aura pas un deuxième, on essaie de faire un IDEX. Donc on a eu, comme le calendrier a beaucoup dérivé, on a eu une rallonge PALS qui nous permet, au lieu de s'arrêter fin 2016, on va s'arrêter, on a une convention qui va s'arrêter milieu 2017, ce qui permet de faire une année complète avec les financements dont on a l'habitude. En espérant bien sûr que d'ici là on ait un IDEX qui se permettra de se projeter sur plus d'années que ça, mais c'est quand même un bon effort de tout le monde et peut-être en crédibilité le fait que les financements aient été maintenus sur 6 mois supplémentaires. Donc je ne fais que passer et j'en suis bien désolé parce que le programme est vraiment enrichissant. Deux mots pour vous dire tout l'attachement qu'on a pris dans le PALS et puis dans la candidature IDEX sur humanité numérique, sur le fait que cet ensemble-là, et en particulier l'ensemble SHS, mérite d'être soutenu, développé sur le site. Juste pour dire, le PALS avait 3 volets qui étaient biosanté, ingénierie et complexité, si je fais très large. J'ai choisi dans la candidature ITEX de garder biosanté, ingénierie, mais de remplacer le troisième axe par humanité. Parce qu'on est dans un contexte qui est quand même important. Les forces du site en termes d'humanité sont vraiment importantes et à valoriser, et qui peuvent. Il y a à Lyon de grandes traditions cette alliance l'ensemble des sciences, dont les sciences humaines, qui caractérise un peu le site par rapport à d'autres endroits. Si vous faites une carte de France, et qu'on a vraiment intérêt à valoriser. Sur la structure IDEX, c'est telle qu'elle est adoptée. J'ai eu l'occasion de la présenter plusieurs fois, mais je peux en dire quelques mots. On va avoir au titre de ce qu'on prépare 2 grands types d'initiatives. Une initiative qui est à travers les disciplines, multidisciplinaire. J'aime pas beaucoup inter. Je sais jamais ce qu'il y a vraiment bien dans les interstices, mais en termes de multicompétences, je vois bien. Donc, en termes de multidisciplinaire, on a quelque chose qu'on appelle les programmes, et qui sont comment on s'adresse sur un volet particulier. Je sais pas, société numérique, par exemple, sur l'ensemble des compétences qui vont vraiment des compétences en sciences dures aux compétences en lien avec la société. Et vous verrez, j'ai 1 ou 2 exemples à la fin de dire comment on peut contribuer à ces choses-là. Donc les programmes, ils sont complètement transverses à travers les disciplines. Et puis, on a une structuration qui est transverse à travers les établissements, qui sont les collèges académiques, qui sont progressivement mis en place, et qui consiste à dire, au sein de champs thématiques très larges, les gens ont vocation à interagir, quelle que soit leur appartenance en termes d'établissement. Donc ça, c'est les 2 grands volets qui sont. Le calendrier qui est associé à l'ensemble de ces choses-là, pour le rappeler, on va, en termes d'IDEX, on va rencontrer le jury une première fois le mois prochain, une deuxième fois à la fin de l'année, et l'ambition de tout le monde, c'est que le cadeau de Noël soit de bonne taille. C'est un effort, en ce qui concerne les humanités numériques particulièrement, moi je voudrais insister sur le fait qu'on a un effort collectif à poursuivre. Il y a vraiment, comme dans toutes les choses qui démarrent, et c'est bien naturel, il y a du,
Il y a énormément d'initiatives qui naissent à énormément d'endroits. Ce qui est très intéressant, parce que les initiatives indépendantes à des endroits indépendants permettent d'adopter des stratégies nouvelles, de créer quelque chose, d'avancer. Et puis, il y a un moment, et j'imagine que c'est ce que vous faites, où le rassemblement doit se faire, parce que les meilleures pratiques, les choses les plus performantes ont vocation à être échangées, répandues, harmonisées. Enfin, bon, bref, c'est une étape qui est importante, c'est une étape qui doit nous concerner largement sur le site. À la fois sur les réflexions, sur les pratiques et sur les techniques. Hein. Bien sûr, vous allez beaucoup discuter sur les techniques, sur les métadonnées, comment se compose, s'enrichit les textes, comment vous faites dans la communauté, peut-être plus SHS. Moi, j'appelle de mes voeux, vous me l'avez entendu dire plein de fois, le fait que la communauté Sciences Dures soit très fortement attirée sur ce volet-là. J'utilise toujours cette image un peu imbécile, mais si les scientifiques dont je fais partie si vous rangiez vos données comme des scientifiques, vous publieriez des livres où il y ait d'abord les A, ensuite les B, ensuite les C, à la fin il y aura un index pour les remettre dans l'ordre. D'accord ? C'est ce que font les scientifiques dans mon genre quand ils stockent des données. D'accord ? C'est quand même particulièrement imbécile. Les gens ont inventé un dictionnaire, un langage, une grammaire, toutes ces choses-là qui nous permettent d'échanger de manière plus performante. C'est-à-dire que dans données, les gens en ce moment, on n'arrête pas d'être interrogés, surtout dans le cadre IDEX, à longueur de temps, on n'arrête pas d'être interrogés sur Big Data. Je voudrais juste porter le message que l'enjeu, c'est pas big, vraiment pas, ça on saura faire. L'enjeu, c'est data. Comment est-ce qu'on comprend, comment est-ce qu'on les échange, quel est le sens qu'on lui associe, etc. Tout ce à quoi vous allez vous consacrer vos efforts, et c'est là que sont vraiment les enjeux, et je crois qu'ils sont transverses pour le coup l'ensemble de toutes les disciplines qui sont concernées. Avec des choses nouvelles, on a du mal à croire le différentiel à la fois de nos technologies et de nos pratiques dans certains domaines. Je vais juste vous donner un exemple parce qu'il est très récent. IDEX oblige, c'est parfois une bonne excuse. J'ai réussi à faire la première rencontre l'année dernière et qui va se concrétiser un peu plus cette année entre l'Agence régionale de santé, l'ARS, et les hôpitaux, les HCL. D'accord ? Parce que, en fait, ces gens-là qui ont des données, des masses de données, ils ne partagent même pas la manière dont comment ils les regardent pour les trucs. Et pourtant, ça nous concerne tous un peu, parce qu'on n'a pas une moitié de nous qui est à l'hôpital et l'autre qui a une carte vitale. Ça a un vrai enjeu. Et puis, du côté traitement de ces données-là, le programme PALS, et c'est pour ça que je fais un peu de pub, le programme PALS a permis de recruter l'année dernière un informaticien qui s'appelle Benoît Libert, et dont les équipes, avec quelques autres à l'étranger, ont permis pour la première fois de voir comment on peut, sur des données cryptées, arriver à miner et faire des enquêtes sans décrypter les données et avoir un résultat décrypté. C'est un challenge phénoménal. Hein. Vous n'avez pas le droit de posséder la clé, vous interrogez des données, vous aurez un résultat qui est décodé juste sur le résultat que vous avez regardé. Si on va être capable d'échanger des choses sur des données en respectant les critères de confidentialité, des choses comme ça, c'est à ce type de problème qu'on va avoir à faire. Ce type de performance, elle n'est pas vieille, hein, elle a 3 mois, et sur des petits systèmes. Mais voilà le genre de choses qui concernent un petit peu tout le monde, et notamment et qui est centré sur qu'est-ce que donner veut dire. Voilà. Et donc, moi, je suis particulièrement heureux que vous fassiez ce genre de journée, ce genre d'atelier. J'espère que, avec PALS, ça c'est sûr, mais j'espère qu'avec l'IDEX, on pourra s'associer de plus en plus pour quelque chose qui est un vrai challenge. Donc, merci. Je prie vraiment d'excuser le caractère juste de passage de mon intervention, mais je vous souhaite de très belles journées d'études.
Bien, merci. Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Donc, d'abord, je voulais remercier donc, les organisateurs hein, de ces journées d'études de m'avoir invité et me donner cette occasion d'aborder avec vous un sujet qui est à la fois intéressant et très épineux, qui est celui des données de la recherche, et notamment dans les sciences humaines et sociales. Donc l'occasion à la fois de présenter un certain nombre de choses devant vous, mais aussi d'y réfléchir pour préparer ce sujet. Donc avant d'aborder cette question, donc je prendrai un angle, une perspective assez épistémologique pour parler de ça, mais brièvement présenter donc mon propre point de vue en tant que chercheur là-dessus. Comme il vient d'être rappelé, effectivement, ma discipline, ce sont les sciences de l'information et de la communication. Et dans mon travail, donc, je m'intéresse depuis très longtemps à la question des écritures documentaires, des transformations induites dans ce que j'appelle les économies documentaires par la technique, hein, d'une manière générale, et plus spécifiquement par ce qu'il est convenu d'appeler le numérique. Et donc, je m'intéresse à ces questions des données de la recherche, entre guillemets, de l'intérieur, et j'ai envie de dire doublement. D'une part, compte tenu de mes sujets de recherche, donc j'ai un regard un petit peu outillé sur ces questions, et d'autre part, je suis comme vous, ceux parmi d'entre vous qui sont enseignants-chercheurs ou chercheurs, ou professionnels de l'IST, interpellés par, et sinon soumis, hein, comme tout le monde, à ces injonctions de dire qu'il faut que j'ouvre mes archives, que je publie mes données, etc. Et par ailleurs, pour terminer ce petit préambule, j'ai eu aussi l'occasion ces dernières années de mener des missions d'expertise auprès de certains établissements scientifiques sur ce sujet, à travers notamment l'étude de la transformation de leur système d'information pour permettre de mieux partager les données et de satisfaire à ces exigences. Alors, bon, venons-en au vif du sujet. Dans mon propos, il y aura pas mal d'aspects interrogatifs, hein, donc des choses que je vous soumets aussi à titre de réflexion. Donc, les quatre points que je vais aborder dans cette conférence sont les suivants. Donc, en premier lieu, ça a été abordé hein, par M. Pinton à l'instant, c'est effectivement des questions de définition, ce terme de données là, qui est extrêmement, extrêmement ambigu, et notamment dans nos domaines des sciences humaines et sociales. Deuxième point, je vois qu'il n'y a pas de pendule, donc je vais quand même m'auto-surveiller, mais enfin, vous me ferez des signes. Deuxième point, c'est sur finalement l'impact en retour, hein, en quelque sorte, sur les manières de faire de la recherche et sur la façon dont ces outils influent à la fois sur les méthodes, bien sûr, et sur les résultats. Et donc, de ce point de vue, c'est bien évidemment une réflexion qui rejoint celle sur les humanités numériques. Troisième lieu, c'est la question de l'agencement des cycles de l'activité de recherche. Et notamment, j'insisterai un petit peu sur la notion de projet, cette notion de cycle par projet, qui, vous le savez bien, tend à devenir une norme à la fois enfin, politico-administrative hein, pour l'exercice de nos activités, notamment, bien sûr, si on veut qu'elle soit financée, voilà, on est obligé de rentrer dans cette logique de projet. Et je regarderai un petit peu quelle est, sur cette notion de cycle, comment intervient aussi le cycle de la donnée. Et enfin, mais alors ça sera vraiment un dernier point en termes de grande ouverture, parce que ça pose aussi la question de l'évolution même de la science, du statut même de la science au sein de la société, mais ce n'est pas dans les 5 dernières minutes des 45 minutes que je vais bien évidemment traiter cette question, mais c'est une question, à mon avis, qui est posée par tout ce qui nous arrive actuellement. Alors, donc je ne sais pas quelles sont les différentes disciplines qui sont représentées ici. Je prendrai assez peu d'exemples disciplinaires, sauf lorsque je les ai croisés, vérifiés, que je suis assez sûr de mon fait. Je pense que, une fois qu'on a parlé des sciences humaines et sociales, ensuite, il faudra réadapter le propos à, évidemment, chacune des disciplines avec ses spécificités. Donc, là-dessus, je pense que ça peut être l'objet aussi d'une discussion et des travaux qui suivront. Je renvoie à un travail qui est le mémoire de Francisca Cabrera, ENSIP, 2014, sur justement les données ce que sont les données de la recherche en sciences humaines et sociales, et qui avait fait un travail d'enquête, interviewé pas mal de chercheurs de différentes disciplines sur leur compréhension de ce que sont pour eux les données de la recherche. Donc, alors, premier lieu, c'est quoi la donnée? Bon,
C'est une question qui est sur laquelle on peut à la fois disserter pendant des heures et en même temps sur laquelle on peut dire des choses assez claires rapidement. Je reprends un titre là d'un article de blog de Sylvie Fayet, « Les données sont des mal nommées ». Bruno Latour a proposé d'employer le terme d'obtenu afin d'insister sur quelque chose qui est le processus de production qui encadre la fabrication de la donnée. Les chercheurs, ce ne sont pas des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire ce ne sont pas des gens qui se baladent dans la nature et qui trouvent des choses déjà là et qui les captent pour ensuite les analyser. On a un travail qui est effectivement un travail, alors là je dis les chercheurs en général, mais il faudra encore reprendre cette distinction, science dure, science moins dure, et par discipline, mais prélever des éléments de la réalité selon un canevas. Et c'est un canevas qui constitue au préalable, évidemment, une hypothèse de recherche. Et ces prélèvements sont organisés pour donner du sens. Et donc, il y a vraiment un regard qui préexiste. Toute collecte de données est orientée au préalable, ne serait-ce que par le dispositif mis en place pour les récolter. Et par parenthèse, vous voyez ici que je n'arrive pas à me sortir du vocabulaire collecte, récolter, etc. C'est de montrer à quel point le mot donné lui-même induit cette représentation de quelque chose qui est déjà construit, alors que tout le processus de recherche consiste en fait à produire l'objet scientifique à partir des objets concrets. Je reprends une distinction là de Jean d'Avalon qui évoquait l'idée de transformer des objets concrets en objets de recherche. Et donc, pour prendre un exemple très, très simpliste, avant de pouvoir observer, il faut quand même savoir où est-ce qu'on va braquer le télescope. Voilà. Mais C'est bien quand même là le cœur du sujet, puisque ce qui est en discussion actuellement avec la question, alors notamment, on parlait à l'instant là du big, entre guillemets, data, je souscris tout à fait à l'argument qui est de dire que l'important c'est plutôt le qualitatif et pas le big, mais c'est vrai qu'il y a tout un discours aujourd'hui que l'on voit poindre sur ce qu'on appelle la data-driven science, une science qui serait dirigée par les données, où on abandonnerait les modèles hypothético-déductifs, un des modèles de la recherche et de la découverte scientifique, pour considérer que la donnée est devenue extrêmement facile, moins coûteuse à produire en masse, donc c'est bien la question du big data, par le seul jeu, finalement, d'une captation qui est faite par des machines, et que, du coup, l'angle de vue n'aurait plus d'importance, et que la détection et la hiérarchie des phénomènes se feraient a posteriori. C'est un peu une sorte de modèle du radar ou de la caméra de surveillance. Il suffirait de faire tourner en permanence et tout événement qui est surpris dans le champ serait automatiquement signalé. Donc c'est une vision, à mon avis, qui devient en quelque sorte totalitaire si elle suppose qu'on supprime tout angle mort et qu'on s'est donné les moyens de tout détecter, de tout surveiller préventivement et que l'interprétation va venir après. Finalement, c'est une vision assez scientiste, d'une science qui ne vivrait que par ses appareils. Et c'est une vision qui est assez bien illustrée par l'expression « données brutes », la « raw data », et qui suppose un matériau offert, encore une fois, que le travail du chercheur ne consisterait qu'à raffiner a posteriori. J'ai pris une phrase, là, qui est un exemple qui est donné dans ce papier de blog, où on voit bien, je ne sais pas si je la lis, on voit bien que, dans le cas là d'un laboratoire de mécanique des fluides, ce qu'on pourrait appeler, donc moi je mettrais des guillemets volontiers à données brutes, sont déjà des données qui sont bien évidemment travaillées, produites dans un certain sens, dans un certain angle, et que du coup l'idée, j'y reviendrai plus tard, mais l'idée qu'il suffise ensuite d'ouvrir les données pour que d'autres publics, et notamment des publics profanes, puissent venir récupérer les résultats et les retravailler eux-mêmes, on voit bien que ça se heurte ici quand même à une difficulté qui est le fait, c'est un peu comme les poupées russes, la métaphore de la boîte noire qu'employait Bruno Latour, il faut remonter la chaîne des causes et pour arriver finalement à refaire et à réouvrir des éléments qui ont été clôturés au fur et à mesure que le projet de recherche avance. Donc ce terme donné nous bloque. Je dirais bien que c'est un obstacle épistémologique quasiment pour arriver, justement, et c'est compliqué parce qu'il nous faut réfléchir à ce que c'est, mais le terme nous bloque. Alors néanmoins, bon, même si on sait que le langage est politique, il faut qu'on fasse avec, j'ai envie de dire, parce que réinventer, je me suis déjà frotté à ça il y a très longtemps, au tout début du multimédia, quand on avait écrit un livre avec un collègue
disant qu'il ne fallait pas parler de multimédia parce que c'était un mauvais terme, mais voilà, la vague était lancée, et c'est souvent comme ça dans nos domaines, les vagues sont lancées et il faut faire avec, entre guillemets. Donc, en plus, la question qui nous est soumise, c'est vraiment la question des données de la recherche. Donc, on postule que c'est un objet qui existe, et toutes les institutions politiques, que ce soit l'OCDE, les ministères, etc., ou scientifiques, hein, les académies des sciences dans différents pays, le CNRS, etc., organisent leurs discours et leurs actions en prenant appui sur cette notion. Et donc, ils lui donnent un corps qui nous oblige à nous en emparer, hein, qu'on le veuille ou non, fût-ce de manière critique, et aussi à en interroger le sens. Alors, j'ai compilé quelques éléments de littérature pour essayer de cerner ce que l'on entend par données de la recherche, et on va voir que même s'il y a des points communs entre ces différentes définitions, c'est en fait, il y a des tas de choses en elles qui soit sont hétérogènes, voire parfois contradictoires, donc ça ne va pas nous avancer beaucoup. Donc l'OCDE, c'est une définition de 2007 qui est reprise là, par deux collègues de l'INIST dans un ouvrage sur la gestion et diffusion des données de la recherche. Alors, enregistrement factuel, chiffres, textes, images, sons, utilisés comme source principale, la coquille est d'origine, source principale, et je ne l'ai pas corrigé, pour la recherche scientifique est généralement reconnue par la communauté scientifique comme nécessaire pour valider les résultats de la recherche. Un ensemble de données de recherche constitue une représentation systématique et partielle du sujet faisant l'objet de la recherche. Bon. Effectivement, et donc là on voit bien cette notion de collecte dont je parlais tout à l'heure. Si on dit enregistrement factuel, on se balade avec des micros ou des calepins ou... Bon, soyons un peu plus modernes, des ordinateurs, etc. Et on collecte des chiffres, des textes, des images, des sons. Deux définitions du monde anglo-saxon, l'Université de Bristol et la Royal London Society. Alors, dans l'Université de Bristol, les données ou unités d'information, on voit déjà là qu'on commence à avoir un souci, qui sont créées au cours d'une recherche, subventionnées ou non, et qui sont organisées ou formatées de telle sorte qu'elles soient communicables, interprétables, et adapté à un traitement souvent informatisé. Et à côté, des informations qualitatives ou quantitatives qui sont factuelles. Ces données peuvent être brutes ou primaires, directement issues d'une mesure, ou dérivées de données primaires, mais ne sont pas encore le produit d'analyse ou d'interprétation autre que des calculs. Moi, ce qui m'intéresse dans la mise en regard de ces deux définitions, c'est que on voit bien, c'est pour ça que j'ai mis cette petite image en bas, on voit bien que le curseur n'est pas situé au même niveau, notamment quand on évoque la question de l'interprétation, puisque dans un cas, on nous dit qu'il faut que ce soit rendu interprétable, et donc on imagine préparé pour être interprété, et dans l'autre cas, on dit que ce n'est pas encore le produit d'analyse ou d'interprétation, donc on peut se demander à partir de quel moment c'est suffisamment prêt à être interprété. Voilà, tout ça nous laisse quand même très largement dans le flou sur ce que nous... Alors, je dis un « nous » global, parce que j'imagine, je ne sais pas qui vient d'où, enfin, je connais quelques personnes dans la salle, mais ou enseignants-chercheurs, ou professionnels de l'IST, ou autres, ou informaticiens. Donc, ce « nous » global, c'est ce qu'évoquait M. Pinton tout à l'heure, en disant qu'il y a un travail énorme de la part des SHS en général pour apporter, finalement, une connaissance scientifique, mais aussi peut-être des savoir-faire, sur cette question du traitement des données de la recherche. Et donc, on voit bien qu'il va falloir aller au-delà de ces définitions très générales-là pour raisonner, notamment sur cette question de curseur et de type de traitement qu'il y a à faire. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, ça, c'est une définition, j'ai pas remis le texte là, ça c'est le livre blanc qui est sorti très récemment là, du CNRS, donc de la DIST, Une science ouverte dans une république numérique, qui est un livre blanc qui a été fait notamment pour peser dans le débat politique sur la loi numérique qui a été discutée au Parlement récemment, et notamment pour faire valoir les intérêts des chercheurs, de la recherche, du monde de la recherche, notamment par rapport aux éditeurs, par exemple, ou au monde économique qui gravite autour de la publication des résultats de recherche, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est dans le schéma qui est ici, c'est de voir que, finalement, il y a quelque chose qui est encore une espèce d'enveloppe encore supérieure, là, qui englobe tout ça, qui sont les données de la science,
Et les données de la recherche n'étant finalement qu'une partie de ces données de la science, et en distinguant donc, les données et les résultats, donc un petit peu comme dans les définitions antérieures, avec cette idée que les données sont préparatoires et qu'ensuite on a des résultats, et en distinguant encore entre ces résultats parmi ceux qui sont publiés et ceux qui sont non publiés. Donc, on voit ici que les données de la recherche, c'est un sous-ensemble des données de la science, et qui, elles, incluent également, finalement, les résultats de la recherche, donc à leur tour distingués entre résultats publiés et non publiés. On a ici l'idée d'une complémentarité données-publication hein, qui est très prégnante, et qui laisse penser que la reproduction d'un canal de publication pour les objets spécifiques que sont les données et les résultats intermédiaires, à côté du canal de publication traditionnel des articles qui est la revue scientifique, tout ça dans une logique de disponibilité, serait finalement, ce serait ça finalement le fondement de ce qu'on appelle la science ouverte, hein, et que la solution c'est de trouver les bons canaux qui vont permettre d'aller déposer tous ces éléments qui sont des éléments intermédiaires de données, de résultats, etc., avant ce qui est publié. Alors, toujours dans le livre blanc du CNRS, qui est consacré aux données de la recherche en général, hein, donc il y a un travail qui est fait aussi discipline par discipline, la biologie, les sciences de la vie, la médecine, etc., tout ça est pris en compte, mais j'ai été interpellé par ce passage spécifique sur les données des SHS lorsqu'il est question des données de tiers. Je ne vais pas rentrer, alors je ne suis absolument pas juriste, je ne vais pas rentrer dans les questions juridiques, mais bien évidemment, ça fait aussi partie des grands défis qui sont posés par ces notions de traitement des données de la recherche, d'ouverture, etc. C'est évidemment toutes les questions et juridiques au sens strict du terme et liées à la propriété intellectuelle. Et là, donc, il y a tout un chapitre dans le livre blanc qui concerne cette question de l'accès aux données de tiers. Et quand je lis ceci, le problème est ici que nombre de données utilisées par les scientifiques en SHS ne sont pas produites par eux, qu'il s'agisse d'une chanson, d'un rapport d'activité d'entreprise ou de l'architecture d'un monument. D'autres personnes physiques ou morales disposent de droits sur elles. Je suis interpellé par la liste et le côté disparate de cette liste qui évoque une chanson, un rapport d'activité d'entreprise, l'architecture d'un monument. J'aurais plutôt tendance, c'est une discussion qu'on peut avoir, à placer plutôt ça du côté des corpus, si on doit prendre cette distinction, ou des matériaux que des données, même si une partie de l'exploitation que l'on peut faire de ces éléments-là va se traduire sous la forme de production de données. Après, on peut, moi, de mon point de vue, des économies documentaires qui m'intéressent, on peut aussi s'interroger sur qu'est-ce que c'est que l'architecture d'un monument. C'est quelque chose que l'on peut voir avec ses yeux, mais si on veut l'objectiver, il faut soit on en prend des photos, soit on a des plans, soit on a des... Et du coup, on a derrière des données, parce que sur les plans, il y a des cotes, etc., etc., mais on voit bien que ça peut devenir infini et que l'ouverture des boîtes peut ne pas avoir de fin. Et pour moi, dans cette définition, on englobe, au-delà de la donnée qui est produite dans le cours de l'activité de recherche, on englobe des notions qui sont en fait plutôt les objets eux-mêmes hein, de la recherche ou du matériau pour la recherche. Si quelqu'un fait une recherche sur l'évolution de, je sais pas, des paroles de chansons dans la chanson française depuis les années 1950, bon, il est évident que on va avoir besoin de corpus. Mais ce qui va en être fait par des traitements peut-être de text mining, etc., c'est quelque chose d'autre que la chanson elle-même. Et donc, on voit bien ici que ce qu'on pouvait identifier dans une acception première, héritée plutôt des sciences dites dures, de données comme des séries quantitatives, hein, et donc calculables, est considérablement élargie à une liste d'objets qui n'auraient potentiellement pas de fin et qui mêlent allègrement la notion de données et ce que nous pourrions appeler les corpus, les contenus ou simplement des documents. Et par ailleurs, vous remarquerez que dans toutes ces définitions qui sont décrites ici, rien ne parle de ce que la logique documentaire appelle les métadonnées et qui sont précieuses évidemment pour qualifier, je dirais pour ma part, pour documentariser les jeux de données. Donc la première proposition que je fais à la suite de ce constat, qui est peut-être de l'ordre de l'évidence pour vous, hein, je ne sais pas, mais c'est que
On ne s'en tirera pas en travaillant sur cette question de la donnée selon une logique inductive qui partirait d'une typologie des supports. C'est-à-dire, on voit bien qu'on peut égrener la litanie jusqu'à plus soif, hein, puisque voilà, on trouvera toujours un objet. En revanche, si on part du principe que dans les sciences humaines et sociales, les données sont pour une bonne part difficilement séparables du reste, hein, c'est-à-dire les contenus, je pense qu'il faut s'intéresser aux grands types de rapports qui régissent cette confrontation données-contenu, et que c'est un peu par là qu'on arrivera à avoir une vision originale et effective des choses. Parce que, au fond, il faut quand même bien s'entendre sur quelque chose, c'est-à-dire qu'on voit bien, c'est ce que j'ai mis dans le titre de cette conférence, on voit bien qu'on a une injonction forte. Je reviendrai un peu en conclusion aussi sur les présupposés politiques qu'il peut y avoir aussi derrière. C'est une injonction forte et l'alternative pour nous, elle est celle-ci. C'est ou bien on résiste à l'injonction, c'est-à-dire qu'on dit non, on ne fait pas, bon, ou on réalise un service minimum, c'est-à-dire qu'on prend nos tableaux Excel, nos PDF et on les met dans des entrepôts d'archives ouvertes. Ou bien nous prenons au sérieux cette question des données et nous la transformons, ce que vous faites effectivement avec la programmation de ces deux journées d'études, avec un programme extrêmement, extrêmement riche à mon sens, on la prend au sérieux et on la transforme en un véritable objet scientifique, réflexif, heuristique, et qui permet de la sortir des simples logiques administratives et comptables du financement et de l'évaluation. Donc pour moi, il y a un vrai enjeu à effectivement réfléchir autour de ces questions. Alors, ça m'amène à un deuxième point, qui est la façon de faire de la recherche et les effets en retour sur des outils qui sont mobilisés pour travailler cette question des données, les effets en retour des outils sur les pratiques et les résultats de travail des chercheurs. Il y a donc un certain nombre de demandes qui nous sont faites et qui ont toutes pour finalité de mettre en visibilité une pratique qui est à la fois la base et la condition même d'un travail de recherche, le fait que pour faire nos travaux de recherche, nous sommes amenés à collationner un matériau d'étude à partir duquel nous allons pouvoir travailler, tester, valider ou infirmer des hypothèses. Donc, comme on l'a vu, je ne reviens pas sur ce que j'ai vu dans le premier point, selon les disciplines et la nature des travaux de recherche, ce sont des matériaux d'étude qui peuvent prendre des formes extrêmement variées et il y a une sorte de doxa qui résume tout ça sous le nom généraliste de données. Et du coup, qui donne à ce matériau un statut préalable, un statut ex ante, et qui oblige à se positionner en prévision de ce qui va advenir. Quand on prenons la notion, par exemple, de DMP, Data Management Plan, plan de gestion des données, qu'il est demandé de réaliser en amont, qui le plus souvent fait partie ou finira par faire partie également des dossiers que nous devons soumettre aux instances de financement pour montrer que nous avons anticipé cette question de la donnée et que nous avons bien notre DMP qui montre comment nous allons travailler, etc. Ça veut dire que on a posé en amont quelque chose qui relève du traitement de la donnée et donc il faut bien qu'on ait une vision, pas simplement utilitaire et de dire bon, on est obligé de faire, donc on va faire, mais de transformer ça en quelque chose véritablement, je reviendrai dans les points 3 et 4, qui permettent de faire peut-être un pas supplémentaire dans la capacité à produire des connaissances, et notamment des connaissances réflexives, par rapport à nos propres méthodes et nos propres outils. Donc ça oblige à avoir une vision réflexive sur nos propres pratiques, puisque ce qui était un matériau pour faire devient un objet singulier, devient vraiment un composant du cycle de la recherche, et j'y reviendrai dans le point 3. Alors, avant de creuser et de vous proposer une sorte de macro-typologie de ces données de la recherche en sciences humaines et sociales, je voudrais rappeler quels sont les arguments, quand même, qui sont donnés par les partisans de l'ouverture des données, que ce soit des chercheurs, les commanditaires de la recherche, bien sûr, ou les détenteurs du pouvoir politique. J'ai recensé donc trois principaux arguments qui sont donnés. Le premier, c'est pour ça que je mets ici une page d'accueil, c'est le site de sous la présidence néerlandaise de l'Union européenne. Il y a eu très récemment, le 4 et 5 avril à Amsterdam, une conférence qui s'appelait « Open Science from Vision to Action », et dont un document a été
Il en est sorti un document qui s'appelle l'Amsterdam Call for Action for Open Science, dont j'ai extrait ce document. Donc, le premier argument, c'est celui de la réutilisation d'un matériau dont la collecte, la collation et l'organisation a mobilisé donc des moyens humains et financiers et pourrait être réutilisé. Il y a un argument là derrière qui est un argument de rationalité économique. Je vais citer là. Non, j'en parlerai après de cette citation, pardon. Simplement, moi je me pose ici la question de la pertinence d'un argument qui dissocie de cette manière-là le matériau donné de ses conditions de production et surtout de ses intentions de production. On en revient à la question, c'est à nouveau accréditer l'idée qu'il existerait des données brutes, je mets des guillemets, que l'on pourrait accommoder à plusieurs sources selon les besoins. Ça veut dire qu'on chercherait à mettre à disposition de la communauté ce que Latour avait qualifié de boîte noire dans ses premières analyses sur la vie de laboratoire et qui montrait bien que la science, la recherche avance aussi parce qu'à un moment donné, elle referme des choses et qu'on les considère comme acquis. Bon, on peut renvoyer aussi de manière plus ancienne à toute la logique de Kuhn sur le paradigme scientifique et la façon dont ce n'est qu'au moment où une discipline ou une hypothèse scientifique rentre en crise que l'on commence à réouvrir justement finalement les hypothèses pour arriver à un moment donné au-delà de la crise à un changement de paradigme, mais dans la vie courante, la vie normale de l'activité scientifique, on reprend ce qui a été fait pour repartir et aller au-delà. Si on est en permanence dans la réouverture de ce qui est fait, je ne sais pas trop comment on avance. Bon, je caricature un petit peu, mais il y a quand même, à mon avis, cette interrogation derrière. C'est-à-dire que dans cette logique de la boîte noire, il y a une forme d'économie de la science qu'il ne faut pas négliger. Ce qui a été fait, finalement, n'est plus à faire. Et la question à se poser, c'est à quelles conditions doit-on ou peut-on réouvrir un calcul, réinterroger les résultats d'une enquête, etc. Évidemment, derrière ça, pour moi, il y a la notion de contexte qui est cruciale. Et on ne peut pas évacuer, on ne peut pas comme ça dissocier la question des données de la question de leur contexte de production, de leur contexte d'utilisation, de leur contexte d'intention. Alors, c'est pas si simple parce que on verra tout à l'heure qu'il y a aussi des exemples où justement, grâce à l'avancée notamment de certaines technologies, je pense au TDM, hein, au Text and Data Mining, etc., on peut effectivement aller reprendre des éléments existants et les retravailler pour les refaire parler entre guillemets autrement. Ça, c'est bien sûr, ça serait de la folie de nier ça. Mais voilà, ce sont à mon avis deux questions un petit peu différentes. Et surtout, j'avais un peu travaillé à une époque, hein, dans le cadre de mes enseignements, sur la question des utopies dans la communication, hein, depuis le télégraphe jusqu'à... Voilà. Et quand je lis ça, je ne peux pas m'empêcher quand même de penser, je renvoie un peu aux travaux de Flichy aussi là-dessus. Voilà, si toutes les publications scientifiques étaient consultables en ligne gratuitement et si les données de recherche étaient mieux utilisées, chacun pourrait en profiter au mieux et plus vite. Les médecins pourraient par exemple s'informer des dernières avancées en matière de traitement, les entrepreneurs seraient en mesure d'adapter plus rapidement leurs produits aux innovations scientifiques, et les enseignants pourraient enrichir leurs cours à la lumière de la science. C'est magnifique, hein. C'est comme quand on disait que les chemins de fer amèneraient la paix universelle. Voilà. Parce que ça rapprocherait les peuples. Bon... Ça me fait un petit peu penser aussi aux travaux que menait notamment Sarah Labelle, par exemple, sur le concept de société de l'information, hein, dans les années... Quand on disait toujours, il y avait le programme, c'était le PACSI, je crois, le programme d'accès à la société de l'information. C'est-à-dire qu'on présentait toujours cette idée qu'on allait vers la société de l'information. Et je crains que là, on nous explique que nous allons vers le monde de la science ouverte et des données ouvertes, qui permettra effectivement... que demain on rase gratis et que tout aille mieux. Je pense que voilà, il faut aussi qu'on prenne une position un petit peu distanciée par rapport à ces choses-là, parce que c'est pas si évident que ça, et deux, à supposer que ça puisse effectivement aider les médecins, etc. La question, c'est de quels matériaux on leur donne pour qu'ils puissent le faire. Et en tout cas, c'est pas avec la notion de données brutes que l'on peut avancer sur ces questions-là. Alors, un deuxième argument qui découle un peu de celui-là, qui est avancé aussi dans ces documents, c'est l'idée qu'on mette à disposition les données à d'autres publics que les chercheurs, et notamment au grand public. Et là, il y a une perspective qui hésite entre la notion finalement d'ouverture
de la science et une logique de vulgarisation. Et là encore, ça impliquerait de dissocier les données et leur interprétation. Ça supposerait qu'on ait un matériau qui puisse dire de nouvelles choses s'il est manipulé par de nouvelles mains. Et donc, ça soulève aussi la question de la compétence pour l'interprétation de ces données. La plupart des commentaires, alors, notamment ceux de la conférence d'Amsterdam, mais ils ne sont pas les seuls, insistent sur la nécessité que des collectifs citoyens puissent s'emparer des résultats de la science qui ont des implications sociétales. C'est aussi un des arguments de l'OCDE, c'est de considérer que, à travers tous les débats et la complexité des décisions qui émanent des travaux des scientifiques, on pense voilà, à tous les débats sociétaux, les OGM, le nucléaire, etc., ou d'autres choses, ou la médecine, enfin là. Qu'à travers ça, il faut que les données de la recherche soient ouvertes pour pouvoir être prises en compte par d'autres collectifs que les chercheurs. Le problème, c'est que derrière, il faut quand même qu'on s'interroge sur le statut réciproque de l'expertise et des savoirs amateurs. Et en même temps, on pose ce postulat de dire que les données vont servir à interroger les résultats de la science, sans remettre en cause la division du travail dans la recherche qui, la plupart du temps, aboutit à une hyper-spécialisation. Effectivement, on parlait tout à l'heure de questions entre interdisciplinarité ou multidisciplinarité. Il y a une tension, il y a une contradiction quand même entre cette exigence de partage et le fait qu'en même temps, il y a une forme d'hyper-spécialisation de la recherche. Et donc, du coup, il y a un pan derrière ça qui est entièrement négligé, qui est la question de le passage finalement d'une écriture pour des pairs à une écriture pour le public. Et ça ne se fera pas magiquement. Il faut bien se poser la question de savoir comment est-ce qu'on remet en forme des résultats de recherche pour d'autres publics. Ça, c'est vraiment ma formation en sciences de la communication qui parle. Et puis, alors, dernier argument, mais je passe rapidement, mais enfin, il est important à signaler quand même, c'est le fait que cette ouverture des données soit utilisée dans une logique de la preuve, hein, pour lutter contre la fraude en matière scientifique, et la notion de fraude étant ici élargie, alors non pas simplement aux quelques cas qui sont, d'ailleurs, qui sont assez rapidement dépistés, et qui sont des cas vraiment de malhonnêteté, de fraude caractérisée, mais aussi à l'idée de vérifier, d'une manière plus générale, la validité et surtout la rigueur des résultats présentés en pouvant réouvrir les méthodes. Donc, à partir de cet ensemble de demandes qui nous sont faites, et à partir du moment où on se déclare effectivement disposé à faire trois choses, donc, d'une part, réunir nos données, alors maintenant vous avez compris que je mets des guillemets quand j'emploie le terme « données », réunir nos données dans des ensembles qui soient clairement identifiables et lisibles. Deux, ouvrir ces données à toute communauté désireuse d'en prendre connaissance ou possession. Et trois, soumettre ces données à nos instances d'évaluation et de financement. Encore faut-il être capable de les isoler, d'en faire des ensembles cohérents et d'en documenter les usages possibles. C'est ça, à mon avis, les enjeux. Or, encore une fois, on risque de se perdre si on se contente d'une approche de recensement par les supports. Puisque, à supposer que, reprenons l'exemple de tout à l'heure quand on nous disait une chanson, etc., si on suppose qu'une image ou une photographie soit assimilable à une donnée, il est clair que son usage est évidemment complètement différent pour un archéologue, un historien d'art, un sémioticien ou un analyste politique. Je renvoie sur cette question aux travaux de Marie Després-Launay qui a consacré une bonne part de son récent travail d'habilitation à diriger des recherches sur l'observation d'un travail de terrain des archéologues, donc la communauté des archéologues, et la façon dont le statut d'un même objet documentaire, en l'occurrence une photographie de fouille, change en fonction du lieu de pratique et du regard qui est posé sur lui. Donc il y a une question d'interprétation qui est liée évidemment à l'émission de cet objet que l'on pourrait considérer comme une donnée et qui évidemment change complètement le regard. Et donc par conséquent, moi je propose de reprendre cette catégorisation des données de la recherche en sciences humaines et sociales en prenant en compte plutôt ce que ces données font à la recherche en fonction de leur type général et surtout de ce qu'elles vont appeler comme traitement ou plutôt comme travail de la part des chercheurs. Évidemment, la situation des SHS est particulière parce qu'on manipule la plupart du temps des objets de sens qui sont pas toujours réductibles ou parfois pas du tout réductibles à des ensembles calculables, ça j'y reviendrai. Et une des questions récurrentes qui se posent est notamment le sort
à réserver à tout ce qui est de l'ordre du matériau préparatoire, qui prend la forme d'objets textuels singuliers. Je pense aux blogs, les carnets de recherche, les conversations dans les forums scientifiques, et ainsi de suite. Et par exemple, il y a un débat, donc dans cette revue de littérature que j'ai refaite là, certains organismes incluent ces éléments dans les données, et notamment dans la notion de données ouvertes, et d'autres les considèrent comme des archives, les excluent de ce fait de la donnée. Donc là, je n'ai pas le temps là, mais il faudrait aussi se réinterroger sur cette distinction entre ce que sont finalement les archives de la recherche, les données de la recherche, etc. Donc on voit bien que ce n'est pas stabilisé. Et à travers tous ces questionnements, on ne peut pas avoir une définition unilatérale des familles de données en soi, mais je pense qu'on ne peut pas les abstraire de la manière dont on les travaille. Et donc, par rapport à ça, j'ai réfléchi à quatre couples, finalement, de type méthode, hein, en quelque sorte, d'articulation type méthode, qui engagent des manières différentes de travailler, et alors qui ne sont pas exclusives les unes des autres. Hein, je pense qu'on peut, selon les disciplines, selon les projets de recherche, selon les objets d'études, travailler soit en séquence, de manière successive, soit simultanément, avec plusieurs de ces méthodologies. Et je ne suis pas sûr non plus que l'une ou l'autre caractérise une discipline. Voilà, ça c'est un débat qu'il faudrait avoir. Alors, le premier point, c'est données-recueil. Bon, ça découle assez nettement à peu près de ce que je viens d'évoquer. C'est quand même l'acception la plus classique de ce qu'on pourrait identifier comme données en sciences humaines et sociales. C'est-à-dire à chaque fois que l'on a besoin de s'appuyer sur des séries qui sont soit recueillies par des organismes dont c'est la raison d'être, donc je pense à des sociologues qui s'appuieraient sur les séries de l'INSEE, mais aussi on peut penser à des démographes de l'INED qui à la fois produisent leurs séries et les analysent, etc. Bon. Donc soit reprendre des séries existantes, soit les produire soi-même. Et donc, du coup, alors je ne rentrerai pas ici dans la distinction, l'interrogation sur, méthode dite quantitative et qualitative, mais les enquêtes, les entretiens, etc. Finalement, c'est une manière de produire des éléments d'analyse pour interroger des hypothèses émises et inscrire ces résultats dans un travail, dans une démarche objective, hein, pour effectivement avoir du matériau, avoir un socle pour défendre. Enfin, valider des hypothèses. Et donc, si on revient à l'injonction qui nous est faite, la question c'est, est-ce qu'il faut mettre à disposition ces éléments premiers ? Alors je préfère dire premiers pour brut, hein, parce que voilà, un entretien c'est tout sauf brut, suppose qu'il a été préparé avant d'arriver le micro face à la personne, ses observations, etc. Or, même si on a là une mise en forme de ces objets premiers qui les rend assez souvent plus lisibles pour un public extérieur que les données des sciences quantitatives, il y a énormément d'éléments d'interprétation qui seraient nécessaires pour rendre ces jeux de données beaucoup plus opérables et récupérables pour autrui. Et donc ça exige un gros effort de ce que j'appelle moi de la documentarisation, et il faut se demander à qui il incombe. Voilà, est-ce que c'est... j'ai assisté à des débats sur ces sujets-là dans des instances scientifiques, entre les chercheurs eux-mêmes, les professionnels de l'IST. Qu'est-ce qu'il faut mettre à disposition ? Directement, les fichiers sont des entretiens, des verbatims, des synthèses, des transcriptions complètes, etc. Quid des aspects juridiques et éthiques ? Voilà, donc tout ça, il y a énormément de... Bon. En même temps, on a certaines disciplines... Je pense à certaines disciplines en sciences physiques ou en biologie. Désormais, il est admis que l'évaluation, notamment le dépôt la proposition d'articles à l'évaluation dans des revues, je pense à la revue comme Nature par exemple, exige que, en même temps que le résultat, c'est-à-dire la synthèse sous forme d'article, soit déposé les fameux jeux de données. Donc, si c'était, pour notre cas, ça pose la question de savoir la forme dans laquelle on dépose ces jeux de données. Mais si on regarde un petit peu, on a un petit recul maintenant par rapport au mouvement de l'open data, un petit recul sur ce que ça donne. Ça donne des choses qui ne sont pas forcément très, entre guillemets, très belles à regarder. C'est-à-dire que quand le travail est fait à minima, je pense à lorsqu'on demande aux collectivités locales ou au ministère, aux administrations de déposer leurs données,
lorsque vous avez un fichier PDF tout cru sans rien dessus ou quelques tableaux Excel, etc., que faire de ça? Et beaucoup de gens qui ont beaucoup investi dans la promesse de l'open data, notamment en disant, voilà, les startups vont s'en emparer, vont faire des produits innovants, vont, etc. En fait, la matière est pauvre, reste pauvre. Donc, je le dis simplement parce que ça montre qu'il y a un travail d'accompagnement qui est colossal. Il faut que j'avance un petit peu plus vite. Donc, deuxième chose, c'est ce que j'appellerais les données enveloppes, enfin, données et enveloppes, qui est pour moi une question qui est au cœur hein, de la logique d'humanité numérique, parce que... surtout aujourd'hui, où finalement une bonne partie de ces corpus, de ces contenus que nous allons analyser, nous est fournie sous des formes déjà numériques, ben, il faut prendre en compte l'enveloppe, c'est-à-dire que y a des couches, il y a des strates, il n'y a pas simplement le texte lisible, voilà, tout ça a été mis déjà dans des formats, a été mis dans des systèmes, a été mis dans des dispositifs techniques, et donc on ne peut pas faire l'analyse de ça sans s'intéresser à la façon dont ces données ont été agencées, ont été impactées par le dispositif technique qui les porte. Et donc, si je me place dans une optique, popérienne, où on veut reproduire les résultats de la science pour pouvoir effectivement les valider, mais qu'est-ce que ça signifie de reproduire des résultats sur des matériaux qui sont des matériaux dynamiques, mouvants, et qui changent tout le temps? Moi, je me suis beaucoup intéressé en tant que chercheur aux médias et à l'analyse de la presse. Faire de l'analyse de la presse en ligne aujourd'hui, quand les pages d'accueil des sites sont rafraîchies toutes les 5-10 minutes pour apporter une nouvelle information, ça pose question sur la façon dont on stabilise le corpus de recherche et donc on stabilise les données. Donc il y a cette question de l'enveloppe et aussi... la façon dont je montre quelque chose là qui est un projet de recherche de l'Institut national, d'une équipe de l'Institut national d'histoire de l'art, donc qui a en fait le site qui est là, qui est c'est le projet et c'est le résultat. Donc la question c'est où sont les données, parce que ils ont pris les travaux, un carnet des carnets de croquis de quelqu'un qui s'appelait Éléonore Montagny. Et tout le travail de la recherche et l'accompagnement en données de ces éléments-là pour permettre au public et aux autres chercheurs de naviguer dans le contenu. Donc là, voilà, cette notion, ce sont des données qui servent à envelopper finalement du contenu. Et donc, ma question derrière ça, c'est que tout ce qui est format et modèle, donc ça peut être une discussion avec des informaticiens qui sont dans la salle, mais pas seulement, hein, parce que les formats... sont aussi des questions qui interpellent les sciences de l'information et de la communication, ne sont pas neutres. Troisième, là j'ai pas d'illustration, troisième c'est ce que j'appelle donc les données extraction, et là c'est l'application directe sur un support d'étude, un document, un corpus de techniques qui relèvent de l'analyse de données, donc je pense ici au TDM, hein, Text and Data Mining, avec l'objectif de faire parler les contenus différemment, en automatisant leur analyse. Et ça, c'était une question cruciale, je fais une parenthèse là, une question cruciale, notamment des travaux de la DIST du CNRS qui a porté devant le Parlement son livre blanc, parce que c'est un enjeu important, notamment vis-à-vis des éditeurs, pour autoriser effectivement la pratique de la fouille de texte sur les articles, les contenus scientifiques qui ne sont pas encore mis dans des archives ouvertes pour pouvoir justement les exploiter. Alors effectivement, donc je disais tout à l'heure qu'on n'allait pas reprendre systématiquement les études existantes, il y a des contre-exemples. Il y a par exemple, je me réfère là au travail de Rémi Gaillard, hein, NCIB aussi, mémoire de l'NCIB de 2014, sur les recherches, les données ouvertes de la recherche, qui montrent que dans certaines disciplines comme la médecine, certains travaux, certains résultats sont avancés uniquement par une sorte de méta-analyse en reprenant toutes les études épidémiologiques, par exemple, publiées sur un laps de temps X, donc sans jamais retourner sur le terrain, et refaire émerger des nouveaux éléments de réflexion uniquement par le travail sur ce qui a déjà été publié. Donc ça, c'est intéressant, effectivement, comme démarche réflexive,
hein, par rapport à ce que peuvent donner ces techniques. Dernier point, donner incorporation, qui est un petit peu une variante du troisième, c'est-à-dire que là, on considère que en allant introduire des balises, des éléments de méta-analyse et en allant travailler finalement les corpus, en allant encoder des contenus, donc c'est pas nouveau hein, ça, il y a des techniques qui existent depuis plusieurs dizaines d'années sur l'encodage du texte, hein, ça remonte au SGML, etc. C'est un moyen effectivement d'aller organiser le corpus pour pouvoir lui faire dire autre chose. Donc là, on voit bien qu'il y a une espèce de mise en abîme hein, de la question des données, puisqu'on travaille dès l'amont sur la façon d'aller incorporer des choses directement dans les documents. Troisième point, donc l'impact, c'est cet impact sur la question du cycle de la... Deux minutes, oula, ouais. L'impact du traitement des données sur le cycle de la recherche. Bon, on sait bien hein, depuis quelques décennies qu'on est soumis à une logique de projet. Voilà, si on veut que nos projets soient finis. La recherche aujourd'hui, c'est plus la recherche d'une vie de chercheur dans son cabinet qui travaillait voilà, avec ses bouquins. C'est du projet, donc qui dit projet dit un début, une fin, des étapes. Voilà, c'est très inspiré hein, de choses qui existaient dans l'industrie avec des notions de livrables. À une époque, on ne parlait pas de livrable hein, dans la recherche. Aujourd'hui, on parle de livrable. Bon, voici une vision qui est stylisée du cycle de la recherche. On démarre d'une idée, on arrive à un rapport final. Je passe très rapidement. La question n'est pas assez stylisée, bien sûr. Donc la question n'est pas de critiquer ça, mais simplement de se dire qu'il pourrait y avoir une première vision qui dit bah, oui, pour ce qui était les publications scientifiques, on avait nos canaux qui étaient... Évidemment, les revues, hein, la revue depuis le XVIIIe siècle, c'est le canal de publication. À côté, on va mettre d'autres choses qui sont des canaux ouverts, les archives ouvertes, etc. Et puis, et ça, on le fait déjà depuis quelque temps. Et donc, pour ce qui est de la donnée, ben, on prendra ce qui a été produit dans l'étape antérieure, donc ces fameuses données avec toujours le brut, avec des guillemets, et eh bien, on aura des entrepôts, et puis il s'agira aussi de faire bien le lien entre les deux, avec des DOI, avec des métadonnées, etc. Bon, ça a l'air... voilà. Donc ça a l'air simple comme ça. Et puis voilà un autre... ça, c'est l'Université Laval qui donne une autre version du cycle documentaire, enfin, du cycle, pardon, de la recherche, avec beaucoup, là, d'éléments qui sont des éléments intermédiaires. Et je me dis, on peut s'imaginer que tel le petit pousset... les chercheurs vont à chaque fois vont prendre des éléments et les déposer. Je trouve que ce sont des visions qui font l'impasse sur la question de la transformation nécessaire à chaque fois et ce que j'appelle moi la réécriture, c'est-à-dire le fait que on ne peut pas prendre un objet qui a été pensé pour X et le mettre dans Y sans que on ait besoin d'en faire un retravail plus ou moins élaboré. Voilà. Et dernier point, alors j'avais dit, bon, c'était très présomptueux quoi, de se dire est-ce que la manière de faire de la science dans la société change. Non, c'est simplement qu'on pourrait, on pourrait quand même interroger la notion de science ouverte, hein, c'est-à-dire que on en parle de manière très très différente aujourd'hui par rapport à ce qui était évoqué, notamment je pense dans les années 70 aux États-Unis avec des mouvements comme Science for the People, qui étaient des mouvements militants, et qui disait il faut ouvrir la science pour que la science ne reste pas aux mains d'un lobby que appelait le lobby militaro-industriel. Donc aujourd'hui, on nous parle d'ouverture de la science en évoquant encore une fois cet aspect citoyen, mais aussi en évoquant l'idée que l'industrie, les start-up, etc. puissent s'emparer de résultats pour produire faire de l'innovation. Produire de nouvelles inventions, etc. Et donc, on voit bien que la... Et en même temps, on ne voit pas clairement, même si c'est appelé des vœux partout, je renvoie encore une fois au livre d'Amsterdam, à l'appel d'Amsterdam, il est systématiquement demandé que, du coup, les procédures d'évaluation, l'économie globale de la recherche soient modifiées de façon à ce que le canon de l'évaluation des chercheurs ne soit plus simplement la soumission d'un article dans une revue
à fort facteur d'impact, etc. Mais force est de constater qu'on est pour l'instant dans une espèce de cercle vicieux, c'est la question de l'œuf et la poule. Et tant que, effectivement, les chercheurs restent soumis à cette injonction d'une part et de l'autre, à l'injonction contradictoire d'aller ouvrir leurs données sans que ça n'ait été à son tour validé comme étant un des critères de l'évaluation, on est dans une contradiction, voire une aporie. Et donc, voilà, donc pour terminer, il y a cette question des ces données, ce mot « données », il nous colle au doigt, un petit peu comme le sparadrap là, du capitaine Haddock. Et donc, je préférerais employer peut-être le mot de « matériaux ». Et je me dis que la question, c'est comment transformer ce qui sont des matériaux pour soi, des matériaux que l'on a collectés dans le cadre d'un projet défini, avec un objectif qui est bien cerné, en matériaux pour autrui. C'est ça vraiment la question. Et ça implique des processus de réécriture ou d'écriture multiple, au-delà de la fameuse contradiction entre données brutes et données travaillées. Et donc, pour conclure, c'est bien pour moi tout l'intérêt de ce type de journée d'études. Je conclurai qu'il est urgent de s'emparer de ce sujet, pas seulement sous l'angle opérationnel du comment faire, même si évidemment c'est important, mais sous l'angle scientifique du quoi faire. Le quoi représentant ici à la fois un objet, c'est-à-dire c'est quoi ce qu'il faut mettre à disposition, et un objectif. C'est qu'est-ce que nous voudrions faire de nos données. Quoi faire? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On va avoir le temps de prendre plusieurs questions. Oui? Oui, tout à l'heure tu as dit on ne pouvait pas partir des supports. Ça marche, mais pardon. Oui, on ne pouvait pas partir des supports, c'est pas forcément pertinent, mais du rapport entre données et contenu, tu peux. C'est variable, si. Oh, sur ce rapport. Je parle tout haut, oui. Est-ce que tu peux revenir sur le rapport données-contenu dont tu parlais tout à l'heure? Oui. Bah, c'est-à-dire que, on voit bien que ce qu'on met sous le vocable général de données, hein, dans certains cas, notamment dans les définitions que j'ai fournies, donc on y met des choses qui relèvent plutôt du support et plutôt du contenu, donc quelque chose qui a effectivement été produit dans un autre contexte. Alors c'est là où les exemples peuvent varier en fonction, je ne suis pas historien moi-même, mais le travail d'un historien sur un certain nombre de documents qu'il a effectivement réunis. Donc, d'une part, le fait de les réunir dépend à la fois de leur disponibilité, certes, mais aussi d'une manière déjà de constituer son propre corpus. Pour moi, je ne mettrai pas ces documents-là dans les données. Je dirais qu'il peut, alors, soit après, à la mano, ou outillé par un certain nombre de techniques dont on va sans doute parler aussi ces jours-ci, aller en exploiter justement toute la partie contenu, mais même contenu, j'y mets des guillemets parce que c'est compliqué comme concept aussi, mais d'aller en exploiter un certain nombre de choses et relever des séries, par exemple, je sais pas moi, des occurrences d'apparence de tel nom propre ou de tel, voilà, et du coup, faire des jeux de données à partir de ça. Mais, la question, puisque la question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'ensuite on va aller ouvrir ou déposer dans nos... Dans ces fameux entrepôts, etc., on suppose que là, les documents qu'il avait étaient des documents déjà là. Et donc, est-ce qu'il faut qu'il aille les redéposer quelque part? Est-ce que... Voilà, c'est ça mon interrogation à travers ça. C'est de dire que la donnée ici, pour moi, serait un extrait travaillé de quelque chose qui est déjà constitué dans une forme spécifique, qui est la forme documentaire, peut-être soit du registre d'état civil... du 19e siècle ou que sais-je. Après, peut-être il y a des questions à se poser autour de vos propres objets de recherche pour savoir effectivement est-ce que cette distinction contenu-donné est opérante. Je ne sais pas si ça répond à ton interrogation. Mais même la
La question de contenu est toujours délicate. Hein. Moi, j'ai une formation philosophique au départ, et je pense toujours à la dialectique forme-contenu de Hegel. Hein. Il n'y a pas de forme sans contenu, il n'y a pas de contenu sans forme. Donc on a bien des objets qui, à un moment donné, on les décortique, hein, mais on doit toujours quand même les considérer dans leur globalité. Et justement, dans certains cas, et la question qui nous est soumise par le numérique, c'est qu'un certain nombre de contenus qui sont nos contenus d'études contiennent déjà des choses qui sont éventuellement invisibles à l'œil nu. J'appelle ça des strates. Et qui sont soit des éléments de balise, soit des métadonnées, soit des données techniques qui permettent de comprendre certaines choses, et qu'on ne peut aller voir que quand on rentre dans le code. Donc, soit on dit je suis un pur sémioticien, par exemple, et je m'intéresse à la façon dont sont agencés des éléments dans une forme documentaire que j'étudie, soit je vais plus loin, j'essaie de comprendre pourquoi elles apparaissent comme ça, et dans ce cas-là, je vais plonger dans de la donnée, qui est une autre forme de donnée, mais là, qui est de la donnée technique, qui est de la donnée de... la donnée d'appareillage, de la donnée de mise en forme, etc. Donc c'est vraiment... on a vraiment un problème d'emboîtement pour arriver à trouver quel est notre objet. Enfin, quel est cet objet donné qu'il faut qualifier et qu'il faut soumettre à évaluation éventuellement et ouvrir. Merci. Alors, il y a peut-être une autre question. Oui. Oui, Claire Brosseau, je m'intéresse aujourd'hui au commun de la connaissance, notamment scientifique, après m'être intéressée aux humanités numériques il y a une dizaine d'années. Je m'interroge, tout comme vous, sur le rapport à l'interprétation et la production de la donnée. Et à la capacité de nos institutions et de nos processus de travail de produire de la donnée et de la connaissance de manière itérative, comme ça s'est fait dans d'autres secteurs, notamment informatique, avec le logiciel libre et autres, et de la manière dont on produit de l'interprétation quand on n'itère justement à l'infini cette donnée. Donc ça pose la question, en termes de division du travail, de la valeur de cette contribution au niveau de nos pratiques de recherche, d'une part, et puis ça pose la question de la propriété intellectuelle, sur laquelle sans doute Lionel Morel reviendra demain, sur la valeur de octoriale et sur la valeur de la donnée produite quant à sa traduction en termes de propriété. Oui, enfin, je pense que derrière ce que vous dites, il y a enfin, je ne sais pas si c'est une question ou un... Voilà, mais c'est une contribution effectivement au débat, bien sûr. Et du coup, c'est pour ça que je reprojette cette slide-là, c'est... on voit bien qu'il y a cette notion là d'itération et cette question du moment, c'est-à-dire à quel moment on considère, à quel moment on fige et on considère que voilà, ça c'est le jeu de données X qui permet d'eux, et du coup qui le fait, qui considère qu'à ce moment-là c'est valide, comment est-ce qu'on le reprend, donc toutes les questions que vous avez évoquées, octorialité, propriété intellectuelle. Voilà. Alors, en même temps, on n'est pas les seuls, parce que, par exemple, les scientifiques, les astronomes savent très bien faire ça, puisque, de toute façon, eux, ils sont vraiment sur du flux continu. Il faudra peut-être aller interroger, voir qu'est-ce que ça signifie pour eux, une prise de photo, j'entends pas photo au sens visuel, hein, mais voilà, figer un instant, puisque, il faut relire les articles que publie régulièrement Françoise Genova de l'Institut d'Observation de Strasbourg, hein, là-dessus, qui, eux, pratiquent depuis 40 ans. Hein, c'est plus que big, là, c'est immense data, ou je ne sais pas comment on pourrait dire. Et en continu, effectivement, les satellites, les télescopes d'observation produisent des milliards et des milliards de données à jet continu, et tout ça est effectivement calculé et interprété. Donc il y a bien des moments où eux décident que ça, c'est ça pour l'instant, et puis après, on reprend. Mais pour nous, c'est un peu nouveau, effectivement, de se poser ces questions-là. Je pense qu'on a encore le temps pour une autre question, oui.
Bonjour, moi j'aurais une petite question concernant la typologie en fait. En fin de compte, est-ce que c'est plus une typologie qui est recouvrante, vu qu'on retrouve un peu des données recueillies dans des données enveloppées et des données extraites à partir de données recueillies et ainsi de suite en fait. Est-ce que c'est vraiment une typologie? Alors, oui, j'ai effectivement dit que c'était pas... que ce n'était pas exclusif et que, bien évidemment, on pouvait... ce qui me paraît important, c'est de distinguer, en gros, ce que le traitement fait à la donnée et réciproquement. Ce n'est pas la même chose dans les différents cas. Mais que l'on puisse considérer, effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que, quand j'ai reparlé après de l'exemple de Montagny, il est un peu à cheval sur mes 3 et 4, hein, c'est-à-dire que, en l'occurrence... Le corpus initial, là, c'est, voilà, on a des dessins, je crois que c'est du XVIIIe siècle, un jeu de dessins qui a été, voilà. Il y a un certain nombre de commentaires qui sont faits par des chercheurs qui sont des historiens de l'art. Il y a, par ailleurs, à l'INHA, des bases de données, au sens documentaire du terme, qui incluent un certain nombre de choses sur les auteurs, leurs dates, etc. Et puis, il y a une numérisation donc, qui est faite. Donc déjà, on a un nouveau strat, là, parce que, les dessins eux-mêmes sont numérisés. En étant numérisés, ils acquièrent des formats, des métadonnées techniques, etc. Et puis, on va organiser un parcours raisonné. C'est comme un catalogue raisonné, finalement. On va organiser un parcours raisonné pour l'utilisateur et pour le chercheur pour qu'il puisse exploiter au mieux ce qu'il y a dedans. Donc là, effectivement, on ne peut pas dire qu'il y ait... Enfin, voilà. Mon propos était plutôt d'essayer de se dire que c'est pas la même heuristique à chaque fois, hein, mais c'est pas voilà, et je pense que voilà, c'est une autre approche quoi. Peut-être une dernière question. Non, nous allons vous remercier à nouveau pour toutes ces questions que vous avez posées sur les données ou les obtenus ou les matériaux. Et donc maintenant, nous vous proposons de faire une petite pause de... Ah, pardon. Oui, non, mais... Ah, excuse-moi. Je... On a quelques minutes encore. Oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup, Dominique, en tout cas, pour... moi, j'ai trouvé l'introduction assez... voilà, ça permet de poser un certain nombre d'éléments, puis de questions aussi pour le reste de la journée. Moi, ma question, elle porte sur la question du dispositif que tu as évoqué au début, et puis sur... qui est un terme... effectivement, on pense immédiatement peut-être au dispositif technique, de traitement, etc. Voilà, il évoque aussi peut-être des approches... qui sont plus liées à des questions normatives ou à des enjeux qui sont aussi idéologiques, politiques. Donc voilà, ma question, c'est qu'est-ce que ce terme de dispositif, est-ce que là, finalement, le dispositif premier, c'est que, quel que soit le type de matériau, il y a de la numérisation à un moment, et donc ce qu'on va travailler comme matière, c'est le fait que ça devienne numérique, même si ça ne l'était pas forcément au départ. Finalement, le dispositif, ça nous renvoie aussi aux problématiques ou aux questions soulevées par Foucault autour des disciplines de l'archive, etc. Donc, voilà, est-ce que ça, c'est des choses qui te semblent importantes, faire partie finalement de cette, pas typologie, mais de cette proposition heuristique que tu fais à la fin? Qu'est-ce qu'on fait aussi des institutions qui, à un moment, justement, préstructurent, préorganisent de l'archive, du savoir C'est une question très, très globalisante. mais justement, je pense, c'est ce que j'espère avoir, ce que je voulais montrer en tous les cas, c'est qu'il faut qu'on s'empare de ça de manière globale. Alors, on ne peut pas tout traiter en même temps, mais en tout cas, les interactions et les relations dialectiques entre la technique, le normatif, l'institutionnel, l'épistémologique aussi, puisqu'on le fait effectivement à partir de théories, à partir d'approches, de bien montrer que ce n'est qu'en tenant les bouts de tout ça, qu'en articulant tout ça, qu'on peut faire un travail, qu'on répondra à la demande qui est de dire on produit nouvellement de la connaissance ou des connaissances nouvelles en intégrant cette notion de données à nos productions habituelles. Sinon, on en reste effectivement à quelque chose qui sera, on nous demande de faire des choses, on nous en demande de plus en plus, etc. Faisons ça aussi, mais voilà. Et je veux dire, si on veut vraiment, et là je pense qu'on est bien placé
en sciences humaines et sociales pour maintenir cette exigence de dire que ce n'est pas une question justement purement technique ou purement institutionnelle ou purement, mais qu'il faut réfléchir à tout ça. Donc ça devient presque un champ de recherche en soi. Alors, je ne sais pas s'il faut le baptiser, ou, enfin en tout cas un objet de recherche. C'est-à-dire que voilà. Merci. Mais en tout cas, ce sont des échanges à poursuivre, hein, parce que derrière la question que tu soulèves, il y a énormément de travail à faire, quoi. Voilà.